much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge et blanc. Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge. Qu'est-ce que c'est la couleur déjà du chien? Blue. No, it's not blue, you silly bitch. Oh, yellow. No, come on, you fucking chicken. It's, Blanc. 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 Un joli petit chien de la vitrine. Un joli petit chien rouge et blanc. Na, na, na. Un joli petit chien dans la vitrine. Un joli petit chien rouge et blanc. Il était rouge. Il était 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 rouge. Eh. 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 Blanc. Arrêtez tout! Alors c'est ça qu'il faut faire, Gildas, pour passer chez vous, se déguiser en pétasse américaine, alors que c'est la semaine de la chanson française. Jean Mérand n'est pas mort. Et puis, il y a eu la rue, le pic. Pam, 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 pam. On bouffait du riz cantonais. Et puis, soudain, ils ont chargé. Les flics, filent la chanson. Vous me laissez rentrer, vous êtes gentil, vous êtes gentil. On m'a promis, laissez-moi passer, bordel de merde. Oh, enfin! Ça suffit! Mon cher Jean Mérand. Gildas, vous avez laissé parler un abruti hier soir. Alors, s'il vous plaît, vous me laissez parler aussi. Jean Mérand, au service de la chanson française. Alors, il y a 3 jours, on me dit, d'accord, vous faites l'émission. J'ai Catherine Malaval et Carole Fekeller, les 2 productrices de l'émission. Elles me disent, vous la faites. On me prévient ce matin. On me dit ce matin, vous ne la faites plus. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place, Sophie? Ce que vous faites? Ce que je fais. Il essaie de racheter ça par un moyen bizarre. Excusez-moi, monsieur Perrier, de vous couper dans votre entretien. Jean Mérand, artisan, artiste au service de la chanson française. Oui. Monsieur Gildas, je vous ai envoyé 3 lettres recommandées. Vous n'avez même pas eu la délicatesse ou la politesse de me répondre. Je trouve que je vaux aussi bien que ces boudins impérialistes que vous avez lancés tout à l'heure. Alors, laissez-moi m'exprimer. Je défends la chanson française. La chanson française est un art et pour mon public, écoutez, je vais interpréter la rue Le Pic. Moi, on 68, non, on va, écoutez, c'était hier. 68, c'était hier. 68, c'était hier. 68, c'était hier. Pour moi aussi. Commissaire, commissaire, il y a un type qui dit qu'il a des révélations à nous faire. Ah oui? Monsieur, qui que vous soyez, j'aimerais que les révélations que vous fassiez fassent avancer un petit peu cette enquête qui est l'une des plus pourries que j'ai eu à résoudre depuis longtemps. Oui? Eh bien, c'est ce que je vais faire tout de suite. Les gens m'errant, couchez-vous. 68, c'était hier, pour moi aussi. Et puis, il y a eu la rue Le Pic. On bouffait du riz cantonais. You are about to witness me. Je me présente Jean Mérand. Jean Mérand, artisan au service de la chanson française. C'est Jean Mérand. Jean, tu peux venir? As the Pete, give me some more. Ladies and gentlemen. Je vais chanter une nouvelle. Les flics, oui. Je vais chanter une nouvelle. Les flics, oui. Ils ont chargé. Je vais chanter une nouvelle chanson. 68, c'était hier. Il y a eu la rue Le Pic. 68, c'était hier. Il y a eu la rue Le Pic. Chante avec moi. Vas-y ma poulette, fais-moi une confette. Montre-le aux copains que t'as pas du son de lapin.
Ouistiti. Sapoté. Ouistiti. Sapoté. Bats-toi, petit homme. Bats-toi. Chante avec moi. Dans les rizières de Saigon, il y a le Nurkmam qui sent la merde. Ouais, il sent la merde, le Nurkmam de Saigon. US Gom, US Party. US Party. Jeannette, je ne t'oublie pas. Voilà. J'en ai plein les couilles. Vous savez, ici, c'est la maison du bon Dieu. Il y a des chats et des chiens partout. C'est la maison du bon Dieu. On est heureux. Ici, on vient, on frappe à la porte, ou alors on gratte, simplement, et puis on est chez soi. Vous savez, je crois, très sérieusement, je crois que la démagogie, une chatte qui vient de faire ses petits chats, qui vient d'avoir sa portée autour d'elle. C'est un tableau merveilleux. On lui met une girafe à la place. Elle aime la girafe, elle lèche la girafe. Le fantôme démagogique, il est partout. La démagogie, elle est partout. Elle fait partie de la chanson. Elle fait partie, quand je suis à la MJC, dans une semaine, je serai à la MJC Pompadour, je peux vous assurer que la démagogie, elle y est. Elle est là. Elle nous guette. Elle nous guette, nous, les artistes, surtout les artisans chanteurs comme moi, elle me guette. Oui, je comprends très très bien ce que vous voulez dire par là. C'est le top 50. Mais Marc Obesca, il fait ce qu'il peut. Hein? Alors, bien sûr, on parle du top 50. On dit que c'est stupide. On dit que ça ne sert à rien. Bien sûr, ça ne sert à rien. C'est la démagogie. On en parlait jusqu'à présent, de la démagogie, de l'aspect du fantôme démagogique. Il est là. Moi, j'aurais pu chanter la lambada. J'aurais pu, si on m'avait demandé de chanter la lambada, je pouvais chanter la lambada. D'ailleurs, je vais vous la chanter tout de suite. La lambada. Par Jean Mérand. La 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 la. Ouh 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 ouh. La 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 la. Ouh ouh ouh. La 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 la. Je me souviens la nuit, la pique. Oui, madame. Et puis ceux-là, ils ont changé. Bats-toi, petit homme. Bats-toi pour les agressions du monde capitaliste. Bats-toi, petit homme. Même si tu prends des coups dans ta gueule, même si ça te fait mal, même si tu en chies, bats-toi. Dans les rizières de Saigon, il y a le Nurkmam qui sent la merde. Oui. Dans les rizières de Saigon, tu étais là. Petite, tu es là avec ton espérance, hein? Tu es là. Je me souviens, la rue, la